Alors t'en es où ma puce, t'as bien remué? Le secret d'une bonne fondue, c'est de bien remuer, m'a-t-il dit. Oui. Eh bien on va remuer. On s'y attendait pas. Ah, on s'y attendait pas. Ils adorent les paillettes, tout ça, la jet. Ah non mais, vous êtes incroyables. Merci les garçons pour votre prestation. Merci, bon il y en a plein mais... Moi j'adore. Mais tu sais que moi bientôt... Je me vends à tout vent. Alors est-ce qu'on peut inviter aussi le vrai Daddy Day? Deux, et également prêcher la bonne parole pendant la soirée. Daddy Day, j'ai une proposition pour toi. Je vais lui proposer, attends. J'ai... Ah, wow, wow. Et tu sais que presque commence à aimer la... Ça fait... Rien à faire, il y a juste à patienter. Ah bah quand, on est très impatients. Apparemment, tu sais qu'on n'a pas froid. Mais t'as déjà vu les fans de Mylène Farmer? Elle a tout le temps des gens qui sont des toiles de tente avec ça dessus et tout enroulé de ça. Et donc nous, on a ça à nos... Oh là 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 là. Putain, là, c'est bien liquide. Alors, avant de commencer, y a-t-il une tradition? Alors, il y a une... un gage. Exactement. Voilà. Et est-ce qu'on dirait pas le gage? Allez, bah écoutez, j'espère que je vais faire tomber mon bout. Hein. C'est bon, hein. C'est fait exprès. C'est trop bon. Pas de film, change de... J'ai mangé du fromage toute la semaine. Oh mon dieu, c'est moi qui ai eu le gage. J'ai perdu un bout. Mais il y en a plein qui sont... Il y en a plein qui sont jaloux, hein. Pourquoi? Vous allez voir le gage que j'ai eu. Bon tiens, ouvre la ganache. On fait la belle et la bête. Moi je suis la belle, hein. Allez, attends de... Salut. J'en ai marre. T'es au lavabo, prends-toi en selfie en train de... Mais tu vas embrasser quoi? Moi j'ai bien un petit selfie avec ton petit nombril. C'est super gênant. Oh, il est trop chou, regarde. Oh, mais c'est gênant. Oh, mais c'est à moi maintenant. J'ai Remstar, retire ton pantalon et montre à tes amis ton joli boxeur. Les autres décident ensemble s'ils peuvent. On va le faire. Ah, mais ça va, hein, c'est un calcium. Mais... Ah, oh, mais... Alors, est-ce que je peux le remettre ou oui, pas tu... Une action qui est de circonstance. La belette, vous êtes rigolote. Ça doit puer le tabac, tu dois être à bout. Elle qui me dit, oh là là. Waouh. Oh, ça va, c'est rien, ça. Hein. Mais pourquoi tu te caches? C'est quoi? On joue à Action en vérité, mon jeu favori soirée, anecdote. Allez-y. Attends, parce que j'ai plein de bouffe. Est-ce que vous allez faire ça? C'est le jeu, j'ai... Allez. Ça va, c'est rien. Hein. Oh, mais attention. C'est drôle parce que... Bonsoir. Alors, on est sur une action. Théo Lavabo, imagine que tu es... Alors, non, en business, ça sera pas mal parce que première, c'est déjà... Bonsoir. Désirez-vous une autre... vous proposer une nouvelle coupe de champagne? Merci. Souhaitez-vous de nouveau? Est-ce que l'avion va bientôt atterrir? Il y a un peu de monde à côté encore. Oh, ils sont en train de dormir. Vous inquiétez pas, non, moi, je filme. Ils ont pas sur les... Champagne, alors, il y aura pas... Désolé. Plus tard, alors. Il y aura pas de bisous. Non, mais... Bah ouais, mais je comprends pas, moi. Oui, c'est bon, allez. Tristan, non, franchement, je suis en train de réaliser, de me dire que cette igloo, ça a pris plus de 10 heures. Ils l'ont fait pour toi. On s'est tué à la tâche, et mais voilà, on... Merci, Jérémy, parce que sans toi, on aurait payé la moitié. Jérémy, Jérém. Non, bravo, franchement, c'est rare. Pour la station, tout ça, on avait envie de montrer qu'ici, on pouvait se motiver. C'est réalisable et possible. Tout, exactement. Bravo. Tout est possible. Je ne vous cache pas que me concernant, tout n'a pas été... Ils sont fait que m'embrasser, enfin bref, c'était un truc... Ah ouais, là, vous nous avez rallumé le feu comme jamais, hein. Ah oui, c'est vrai, on va manger des chamallows grillés. La belette est absolument congelée, hein. On peut le dire, hein, c'est un cache-cou qui fait cache-lèvres. Rose, c'est tout. Oh là là, c'est beau, ça réchauffe chamallows en bois. Trop bien comme ça. Ah, attention. Mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas vrai. Non mais c'est hilarant. Oh là 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 là, mais quelle galanterie. Mais c'est génial. Il faut tourner ton chameau. Arrête. Alors ça se régale, hein. C'est incroyable. Ça se régale, hein. On se croirait en afterwork. Alors là c'est incroyable, Benoît a été ramassé des plantes. D'accord. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Coucou, hibou, coucou. Et on fait nos infusions vraiment comme ça? Ouais. J'adore. Et alors, il a trouvé un plan B, hein, car il est très... D'accord, ah ouais. Parce qu'en fait, la neige, quand on la fait chauffer à une certaine température, on peut la voir sans... voilà, pour être franc. Et bien, au moins, ça purifie tout. D'accord. Allez, c'est parti. Hop. La boisson du trappeur. Ah ouais. C'est le moment de diluer petites herbes. Oh là là. Allez, deuxième tentative de versage de thé avec des petites... Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, Matt. Ah, tu peux retenir, maman.
tant que je suis là aussi. Allez, enlève le bras. C'est hyper bon ce thé à base de neige. Bon bah ça y est, on quitte notre igloo, c'était sympa cette soirée hein. Grave. T'auras eu pour ton arrivée. Mais ils se sont donnés à fond et ouais. Du coup bah, ça s'est fait. Non moi j'ai adoré, franchement c'est le typiquement le genre d'expérience que j'aime vivre, des moments simples. C'était vraiment super, très original. Là on rentre, on fait une petite rando de nuit encore. Bon tu rentres avec un genou en moins mais oui. Ça valait le coup quand même. Oui non, ça valait le coup de perdre un genou. Putain. Il neige ? Oui. On est de retour au chalet sous la neige, recouvert. Ah ouais, canon. Regarde, tout recouvert. Oh, j'adore, je trouve ça trop beau. Je vais dormir les puces. Je comprends, je suis encore rouge. Et c'est vrai que bah, ces deux mecs là qu'on a rencontrés, vous savez, en faisant l'activité l'autre fois, et avec qui on a sympathisé et qu'on a revu, eh bien, sont vraiment tellement sympas. C'est assez dingue parce que ils se sont donnés, quoi. Ils ont construit pendant. Ils ont tout fait pour qu'on soit bien. C'est hyper touchant de voir des. Bah voilà, des gens comme ça, motivés, qui sont prêts à tout pour te faire plaisir. Voilà, sont à fond dans leur activité, tout ça. Enfin, c'est assez dingue. Parce que ça a dû être épuisant pour eux. Enfin, c'est assez incroyable. Vraiment, Non, c'est vrai, c'est très touchant. On a passé une super soirée. Donc vous l'avez vu, hein, Théo Lavabo est arrivé et la poupée vaudou repartent demain, malheureusement. Mais je suis avec Théo là du coup jusqu'à la fin du séjour, donc je pense qu'on va bien rigoler encore. Et voilà les puces, non c'était vraiment génial. Je vais aller peu de sommeil pour pouvoir dire demain matin au revoir à la belette et à la poupée vaudou. Ça sera passé super vite le séjour avec elle. Heureusement moi je reste encore jusqu'à dimanche, ensuite avec Théo. Donc voilà mes puces, je vous ai raconté toute ma life. Nouvelles aventures. Je pense qu'on va aller skier demain avec Théo, parce que ma mère n'arrive que le soir, donc voilà. J'ai trop hâte. Et bonjour les puces. Donc vraiment dégoûté. Enfin c'est pas il y a neigé, c'est il neige. Incroyablement beau. C'est une plaisanterie de venir dans ma chambre dans un accoutrement. C'est beau. Bon, il y a la belette. Mais ça te va tellement bien. Mais bon. Mais c'est pas grave. C'est la combi tout de suite dans cette tenue. Oui. D'accord, avec ça. Allez hop, sous la neige, bisous. On va déjeuner. On va déjeuner. T'as froid? La poignée est cassée. Elle est cassée. Oh non, là, on dirait une autruche, je canne. C'est toi l'autruche. Quand tu te réveilles et que t'as thé au lavabo. Désir, mais... Chichi, popo, la tata. Moi, je sais que je pue, mais je sens... Bah écoute, j'aimerais avoir la même faculté pour pas te sentir. Daddy Day, les 3D. Daddy Day. Daddy Day. Mais c'est un homme. Tu me l'as mis dans la chambre. Dans la chambre. Un arc-en-ciel 3D. Et ça va pas, mais enfin, mais. Happy it leave my fairer. C'est un. Ah. Quoi? Bah, il a les dents. Comment ça peut être collé comme ça? Ça me répulse. Non, t'as pas exprès. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais ce message est incroyable. T'as vous, Daddy Day, d'incroyable talent. Tu vois, les gens se croient vraiment que t'es Daddy Day. Non. Je pense que c'est... Il n'y a plus aucun sérieux dans ma vie quand je suis avec toi. Mais c'est... Enfin, c'est... Ouais. Moi, j'ai... Oh non, elle part. Pourquoi tu supprimes, toi? Bah si, je te fais un câlin. Je veux dire, qui vit ça? On se revoit de toute façon très vite. Tu vas voir, c'est délirant, la Corse. Ça, bon, rien à voir. Hein, pour... Mais bon, on va... Merci, cheers. Vraiment, merci. Et bah si, à chaque fois que je te quitte, à chaque fin de moment, des trop bons moments passés ensemble. Tu vas reprendre ta vie de famille. Pour moi, il est tellement beau. Hein. Ouais, je vais lui faire des gros câlins. D'ailleurs, voilà l'IRM. Tu me diras. Je vais l'IRM demain. Bon, GG, merci pour tout. Rentre bien, fais plein de choses. Ouais, bon, on va faire un super album. Oh non, tu... Arrête, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça, hein, c'est de mauvais coup. Oh là là, mais ça fait bizarre que vous partiez. Hein. Bah, tu te lâches, tu suis avec. Dingue. Mais Daddy Day, tu n'es pas employé de maison. J'ai l'impression que t'as pas envie de partir. Je te vois traîner, ramper de froid. Comme un poil, elle m'a dit, son trône était beaucoup mieux là que celui. On se les a pas coltinés 3 jours, on les a largués en une demi-journée. Et rentrez bien. T'as pas envie de partir de Daddy Day, s'arrête. Attends, mais j'ai peur des spots. Là. Non. Bisous, merci. Je donnerai tes petits cadeaux à ma mère. Ouais, voilà. C'est ça. Bon, c'est gros bisous, ma belle. Ça va, bisous. Hein, rentrez bien un jour, hein. Ça serait sympa. J'en ai marre. Déménagement en cours d'une personne. Oui.
et ça ne lave sur les draps. C'était que des odeurs de transpiration. Et au change de chambre, parce que voilà, donc du coup là, ce beau temps, je pense qu'en plus ça va se découvrir. Il a neigé, la neige va être toute fraîche toujours, grand soleil. L'accoutrement, je pense, très drôle de cette... Ça fait tellement bizarre les puces. C'était vraiment génial. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'était une super team. J'ai des amis. Ouais, il n'y a eu que des départs. Les Thénardier sont partis, là, pas. Mais pour l'instant, on est là. Eh oui. Voici ta nouvelle chambre. Tu vas être... Merci, regarde. C'est vraiment ma chambre. Il y en a vraiment. Est-ce que t'as peur des araignées? Ah, que j'ai vu son sexe. Quelle horreur. Mais au moment où t'as remonté ton slip, enfin bref. Pour moi, c'est sympa, mais moi, je n'ose plus bouger, je suis tétanisé par la peur. Voilà. Bref, c'est ce truc-là. Urk. Mais t'as vraiment pas peur? Non, mais bouh! Oui, bah oui! Oui, bah il est dans l'angle. Ah, y'en a une sur toi! Bah si, ça court hyper vite, je t'ai ouvert la fenêtre comme ça. Attention à ta tête. Oh, c'est pas vrai! Elle est chiante, elle reste dans l'angle! Bah oui, mais mets-la dans un verre! Tout pas la tête dans les toilettes, c'est pas vrai. Ah! Ok. Tu connais la technique après avec ça? Allez, je peux vérifier si elle est vraiment dedans? Quelle horreur, elle est où? Vérifie bien qu'elle tombe, pas dans la neige, hein, sur le... Ah oui, j'ai vu. Ouais, t'as pas vu. Ah non, elle est là. Mais tu t'es trompé, elle est encore dans le verre. C'est pas... Service anti-araignée, bonjour. Alors, c'est... ça. Ah bah oui, mec, t'inquiète pas avec la... Donc, un collant. Surtout que le soleil, ça y est, là, regarde. Oui, le soleil. Moi, je me suis donc habillé les plus avec un t-shirt. Et mon pantalon de ski avec juste un collant, quoi. C'est bien parce que cette veste, franchement, qui de base n'est pas du tout une... J'utilise au ski, elle... surtout on me reconnaît. C'est-à-dire que quand les gens sont derrière moi, bah, elle est très jolie. Bon, eh bien, je sens qu'en fait, la pompe... Il a perdu ses gants. Ouh. C'est quoi? C'est mes affaires. Non, mais c'est hilarant, il est venu. Aïe. Oh non, mais c'est pas vrai, mais même sa bagnole... Oh là, oh quelle horreur. Tu peux gratter là, pour gratter. Non mais en plus je dois gratter le pare-brise quoi. Je vais avoir... C'est un... Tu mets... Ça va être top. Allez c'est parti, est-ce que tu es content de cette saison 2 au ski? Le S se prononce. Il va falloir arrêter de la vie. J'en ai ras le bol. 2-4 saisons. Ça, je ferai des beaux balcons avec, tu vois, des petits trucs. Et puis bah ça dépend du celui-là. La tapisserie. Qui est... Arrête, je fais des pistes noires. Oui, mais qui est un vrai show. Trois seulement. Un par jour. Comme ça. Ah bon? Ça, c'est à gauche. Et ça va être la folie. Les pistes sont vides. Puis au moins, on attend. Et je suis ton seul ami avec qui tu fais du ski, non? Photographe pour filmer la famille de Dubaï. Ah oui, c'est vrai que t'es... Américain, j'adore. Bah, on dirait la nouvelle saison d'Emily in Paris. Moi, je crois que je suis le premier à l'avoir visité, tu m'as dit. Non, mais c'est pas du tout là, le trajet. Il me fait passer par des villages où il y a... Non, t'as qu'à être concentré. Mais c'est du courrier. Du courrier de fans. C'est vrai? Bah en partie. Producteur de mon producteur qui les a oubliés chez moi. Ah d'accord, ma belle. Oh regarde. Ah ouais, c'est pratique. Mais c'est quoi? Non, il en remet ou il... Ah non, il l'enlève. Il envoie toucher le voisin. Non, il est pas... Ah oui, non, c'est... Théo lavabo à la poste. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, il repart. Il va pas... Ah non, voilà, c'est bon. C'est parce qu'il y a la vitre devant. Génial, franchement. Oh, je suis trop content. Je vous dis, je pense que pendant plus de 10 ans, et c'est un peu aussi ma petite Madeleine de Proust hein, que j'ai retrouvée pour revivre ça, parce que bah, c'est top, quoi. J'adore. Nous allons louer notre matériel. Un Théo la... Ouais, ça va être horrible, je vais t'attendre. Il se fait mesurer ses doigts de pied. D'habitude, c'est pas les pieds. Tu es quel niveau? Presque comme JRM, mais un truc qui fait aller plus vite que la vie. Non, mais je... Non, mais t'es hors toi, mais c'est hilarant. Mais c'est vrai, JRM, j'ai le même. Alors, il a mis ses chaussures. Vous connaissez pas Théo Lavabo? Magasin, et qui m'a dit, ah, mais t'as loué les skis. Ça nous arrange parce que t'avais pas, j'imagine, du tout. Bah oui. Et vous avez loupé Daddy Day, vous avez... Qu'est-ce que tu dis au monsieur encore? Il en a marre de ton chipolat. Tu es nul. Non, je suis pas nul. Ah, mais franchement. Mais par contre, ce que je suis content, ils seront probablement pas réinvités. Oui, sinon, c'est que moi, je suis un membre de ta famille. Ah, c'est chipolat. Ton mi-cadeau. Ah bah tu mets... Oh là là, t'as traumatisé le monsieur. Le casque il est noir. Ça se perd pas du tout, c'est pas encore en vente. Mais si, elle s'en va. Ah bon, en train d'hurler. Oui. Et je vais peut-être même envahir la scène. Est-ce que vous aimeriez d'ailleurs les puces? Non, je sais ce que c'est le projet, je pense pas que ça me plaira. Mais on va y réfléchir, peut-être qu'un jour on fera un titre ensemble sur lequel... J'adore ma tête, on dirait, tu sais, dans les crèches de Noël, Maria. Voilà.
Super. Qu'est-ce que t'as offert à ton grand-père pour Noël? Zizi. Ah bah c'est sympa. Non, monsieur lavabo, il va l'imbiber. Trop trop long, on va écrire des trucs dessus. Bah oui. Regardez comme il m'a des petites lettres à coller. Sur... Je pense que sur le sien, je vais lui écrire... Alors... Mais il y a vraiment toute une collection. C'est bizarre qu'il n'y ait plus d'Adidas. Ton... Ils vont péter les plombs si je leur rends un sac avec marqué puceron et pustule. Là, hein. Non mais il avait ajouté un S à puce centré. C'est bien parce que... Oh, va te moucher. Attendez. Bon ça va, on verra à la fin du ski. Le C n'est pas du tout droit. Hein. Ah mais... Bah, tu... Ça va durer combien de temps? J'aurais dû prendre ça pour moi, c'est trop... Rond, il va... Ouais. Ouais. Arrête de bouger, attends. Mais... On pourra en mettre sur le... Il s'agit de ça. Puceur. Toi, c'est pustule, du coup. Artistique. Non, je te connais, tu as mal le faire. Mais ça va pas ou quoi? Attention, je vais vérifier qu'il y a... J'ai réussi. Mais c'est incroyable. J'adore les cédilles. Mais non. Ah. Il a peur d'abîmer ça. Que reste-t-il? Eh bien, personne. Bon, il va peut-être falloir y gérer ton téléphone. Écoute, c'est déjà une bonne chose. Il... Oh, j'ai les pistes noires sans respect. Allez, on y va. Dans du verglas. Eh ben ils vont être contrés. Eh bien ça y est, nous y sommes. Pustule et pustule. C'est dingue, hein. Incroyable. Ça fait un an que j'ai pas fait de ski. Allez, viens, pustule. Alors entre tes skis, c'est cool. Bon bah, j'ai perdu Théo Lavabo, je suis avec Caroline. Alors, tu es très sexy. Jérém Star, c'est... Pustule et pucerons sur votre télésiège, vous avez... Allez, chante. Tu peux chanter en italien. Ta. Sono il tuo grande cipo. Cici popola Théo. Je suis ton grand. Ça te fait carotter. Cours en école de commerce. Oui, je donne des cours. Et quelle école, les cours? Moi, à l'INSEC. Oh. Ouais. C'est pas mal, hein. Depuis hier, j'en parle à Mathis qui t'a croisé à la piscine. Oh, ah oui, c'est vrai, Mathis, ouais. T'étais... Non, même pas. C'est quoi, ça te... C'est quand même fou. Je suis sûr que tu dis ça, alors que c'est... Bah oui, quand même. Enfin, cela dit, tous les médias en ont parlé. Ah bah c'est cool, merci. C'est pour ça. Bah voilà, en tout cas, regardez comme on est bien. Dingue. Parce que Alex, non, il a nous, un... Non, mais regarde le vent, là. Oh non, tu m'arraches tout. Bon, le photographe. Je vais passer devant toi, comme ça, je te filme un peu... Regardez, attendez, là on voit mieux. Putain, c'est un truc de ouf là, le vent. Allez, c'est parti les puces. Il fait ses virages et qui va bientôt se casser la gueule. Bon, ce qui est bien, comme je vous disais, c'est que même si à tout moment il risque de se casser, enfin, c'est que tu ne te sers pas. Tu vois, je t'avais pas menti. Incroyable. Ah non, mais c'est un luxe de. Non, mais c'est dingue, hein. C'est vraiment. Un... Il m'a demandé de lui couvrir la moustache et le nez. Ça va? T'arrives? Je suis coincé. Allez. On commence avec une roue. Faire la cucumelle. Et voilà, on n'est pas parti. Qu'il... Non, c'est vraiment une dure celle-là. Dans les virages. On va où? Descends. Voilà. Franchement, il est moins pire que Garou et Bambi. Et c'est vrai que je suis inquiet pour lui parce que en cas de chute, il peut se faire très mal. Il va vite, il contrôle pas son corps. Alors, voyons voir. Ah. Effectivement, j'ai pas le même niveau que toi. Ah, donc comme tu l'as dit, t'as le même niveau que moi. Allez, on repart. Ça dépend des versants. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, sa grande spécialité, c'est les sorties de virage. Il part. Il fait des sorties. Alors, voyez, il sort souvent de la piste, puis il part là-bas dans le décor. Oh, je suis mort de rire. Mais il n'y a pas à dire, quand même, il sort. Il s'en sort, hein. Franchement, il tombe pas et tout pour l'instant. Les garous. Attendez. Bon, attention, il va y en avoir des chutes. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Qui est cette jeune femme? Aïe, elle me fonce de la tête que j'ai. Non, en fait, j'ai vu tes snaps. Ah, donc t'as reconnu ma veste? Bah, on fait du ski. Tu es en vacances? Oui. Ah bon? Ouais. Eh bien, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une page. Des... Oh, qu'est-ce que tu fais encore? Presque. Arrête ton cirque. Moi, c'est un docteur, c'est sûr. T'en as pas marre de te faire remarquer? Non, ça va. Ta-da. Allez. Je fais régulièrement des pauses. Il arrive. Qu'est-ce qu'il fabrique? Voilà. Alors là, j'ai peut-être un peu trop avancé. Je pense qu'il... C'est sûr qu'il est tombé. La neige mais est vraiment excellente parce qu'il il a neigé toute la nuit. Je sais pas où il est. Ça m'inquiète parce que ça fait un petit moment là quand même. C'est lui ou pas?
Ils se ressemblent tous, ces bonhommes là en combi. Bon, bah j'ai peut-être parlé un peu trop vite, hein. Oh là, mais c'est pas vrai, hein. Il y en a pas un dans mon entourage que j'arrive à savoir ce qu'il est, hein. Vraiment. Ah, je crois que c'est lui. Ski ? Je me disais passer. J'attendais d'être. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrête toutes les 15 secondes, je vous jure. Ah, mais c'est... Non. C'est pas vrai. Il y a de la neige. Mais. Non, mais il a arraché le. Oh non, mais c'est pas croyable, hein. Oh, heureusement que c'est écrit ralenti. Possible de ski. Pourquoi je ne skie qu'avec des boulets ? Bon, c'est bon ou pas ? Porte. Le panneau, je le remets n'importe comment. Bon, vous me direz, il vaut mieux qu'il se tape un panneau que plutôt qu'il percute un ski. Mais je comprends pas, tu. Enfin, tout à l'heure dans le magasin, tu. Non, mais tu vas voir, oui, si tu veux faire une noire, y'a pas de soucis, je te suis, pas de problème. Comme moi, d'accord. Arrête de rire, hein. Mais tu t'es pas fait mal avec ce. T'as dit comme par hasard. Vas-y Théo, raconte un peu notre. Voilà. Ça commence bien. Voilà. Quoi ? Non, on mange. Mais non. Non mais franchement, j'ai rêvé. Ouais. C'est pas non. Franchement, quand je. Les bâtons, non, franchement. Alors, eh bien, derrière, je crois qu'il est deux télésièges derrière, il a pas réussi à monter sur. Non mais le mec a carrément dû arrêter les. Le mec a arrêté le télésiège pour qu'il puisse s'asseoir sur le suivant. Enfin, sur les 10 passes à la dernière remontée mécanique. Je pense pas qu'à deux télésièges près, ils vont lui arrêter, mais. Ils disent tous pareil. Non, mais t'inquiète, Jérém, moi je suis. J'en ai connu qui mettait 3 plombes à les descendre. Oh, il y a trop de vent. Ça va trop vite. Je lui fais quand même descendre des pistes. Ça, c'est une bonne. Attendez. Ah non, c'est bon. On a eu de la chance. Attention, il arrive. Un grand, grand champion. Wouh ! Alors, le revoilà. Oh là là, déjà l'arrivée. Oh non, mais je crève. Oh. Ça va ? Non, hé ! Attends, mais c'est infernal ! Mais comment ? Aïe ! Mais enfin, on peut pas te déchirer. Je fasse comment ? Oh, on fait pas d'un âne un cheval de. Alors là, à mon avis, ça me vient là ! Non, mais c'est pas vrai. Moi, je sature. Bon, bah passe en dessous. Il faut. Allez ! En vrai, toujours pas de drame, hein ? Franchement, je suis de mieux. Mourir de rire ! Mais t'es pas. Non, mais moi je. D'accord, il est sorti là. Il y en a trop. Non, mais c'est pas. Hein, la pire. Ce chien. Kikou. On a fait une petite pause avec ma copine. Oui, ça fait longtemps, ouais. Moi, ça fait des années, mais j'ai malheureusement pas le temps. Non, je serais plus fier de les acquérir avec. Les Airbus, ça marche pas parce que quand. Voilà, bon, sinon, pendant ce temps-là, la belette est là. Non. Elles sont donc en route pour Paris. En route. Voici quelques petites vidéos reçues. Coucou, ça y est, on s'est arrêté. On pense à vous en tout cas. J'espère que vous vous amusez bien sur les pistes, on espère. Mais qu'est-ce que tu fais ? Aïe ! Oh, mais oui ! D'accord. T'as dit t'es un arc-en-ciel. On se retransforme en présent. Bah. La tronche. Se retourner les puces. C'est l'heure de l'arrêt pipi ! Il y avait un vent de malade, on n'arrivait plus à avancer. La pente pourtant elle était comme ça. Parce que j'arrivais plus à respirer, il y avait beaucoup de vagues galères. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. On partagera vraiment tout ensemble, nous, hein. Je trouve pas, hein. Alors, premier bilan. Attends, tu es plein de brume. Voilà, c'est mieux. Quel est ce bilan ? Alors, tu n'es pas mort. Je n'ai pas trop galéré. Mais c'est vrai, alors même si tu nous fais des fois des choses. Concentre. Mais tu, effectivement, tu suis. Quand c'est des pistes faciles. Non, uniquement quand je m'arrête en plein milieu d'un esprit. Mais parce que pareil, non mais parce que je n'ai pas pris d'élan, je me suis. Ouais, et demain il fait hyper beau. J'ai une autre ce soir. J'ai hâte de voir la tronche de mon beau-père quand tu vas lui mettre un masque cochon sur le visage. Demain la météo. On lui laissera pas le. Il a deux femmes qui sont arrivées. Et donc les gosses étaient derrière, mais dès qu'ils ont vu ta coupe mulet. Hein, avec une coupe de cheveux comme ça, que t'étais un être bionique. Et que c'était faux, que c'était un masque, une perruque, que c'était pas ton vrai visage. L'éclairage il est pas beau là ? Oh mais c'est super tout ça, c'est le réconfort. Ma petite meringue, mon petit chocolat chaud. Oh là là, ça c'est de la meringue, hein. Ah bah toujours. Oh. Ah mais j'adore, on va se boire un petit Génépi. C'est un brevet déposé. Tout à fait, super.
aussi. J'adore. Ah ouais, c'est trop bien. Là, ce qui est bien, c'est que ces chaussures, elles sentent pas les pieds. Ouais. Ah, ça. Mais... Ah ouais, top. Je suis ton grand chip. Comment s'appelle ton date ce soir? Elle m'a dit qu'elle aimait la position de la brouette. Elle parlait également du cochon pendu. Et c'est pas vrai, mais il est à moitié à... Un bisou. Il me dit que si je te fais un bisou, il te le fait. Non, c'est Brigitte. Mais elle, elle a décidé de... À 67 ans. Et oui, car... Depuis que Brigitte a quitté... Oh, on est pas dans la merde. Et oui, Brigitte est devenue célibataire. Depuis que Brigitte a échangé son numéro... Alors Brigitte, vous nous avez pas raconté votre nouvelle vie parisienne? Donc maintenant, ben c'est... J'adore. Brigitte ferait changer de borne. Allez, un bisou à Brigitte. Par l'argent des allocations familiales. J'en ai marre, c'était pareil chez la salopette. Je dois gérer un... Mais comment on s'est débrouillé? Nous, on a fini le ski il y a hyper longtemps. On rentre, il fait nuit noire. Ils sont vraiment adorables. Et d'ailleurs, bah moi, je ne change pas. Je continue à aller des shooters et traîner après le ski. C'est un peu after ski. Et franchement, on est super bien. C'est convivial. C'est pas trop grand. C'est pas une usine. Attention, oui. Oh. C'est givré. Mais t'es complètement givré. Et franchement, ils sont agréables, comme ça, il y a vraiment une vraie convivialité, donc on s'y sent hyper bien. Voilà, les puces, on va... C'est vrai qu'ils sont très sympas, hein, dans ce magasin, ils se barrent. Hein? Oui, bah, quelle heure ta mère? Dans pas longtemps, pourquoi? Pour savoir. Je me suis reposé une petite heure dans ma chambre, enfin reposé. Si vous voulez être connecté en direct à tout ce qui se passe dans ce chalet, c'est sur Snap, bref. Ce qui va vrai que je l'entends pas depuis au moins une heure. Regardez nos stories. On est drôle? Bah, je sais pas, je crois. Non, Miguel, alerte, araignée rampante. Théo Lavabo et moi sommes à nouveau victimes de rumeurs de la part d'Amanda. Et tous les ans, tu vas aller dans ce putain de chalet? Mais putain, j'en suis sûre que vous emboîtez, vous voulez pas me le dire en fait. Un tunnel, ça n'est pas possible. Ami, voilà, je l'ai déjà dit 50 fois, j'aime les mecs de prix. Et certainement pas les poulpes décolorées, cette mascarade n'a que trop duré. Et sur Instagram, tu l'as envoyé sur WhatsApp, tu l'as envoyé à Jérém. Par... Dès qu'il y a deux gays ensemble, forcément, ça fait les Legos, ça s'emboîte. Non, nous n'éprouvons absolument rien envers l'autre, si ce n'est mais du Lego. Hein. Exactement. Action ou vérité? Action. Ah ben non. On ira, si, si. On ira à la piscine si tu veux. Mais... Oui, d'accord, mais c'est déjà vu. Ah, j'ai l'idée. C'est quoi l'action que tu veux me donner? Enfin, déjà, j'ai pas choisi, c'est peut-être une vérité que je prends. Laisse-moi réfléchir, je vais aller farfouiller dans mes costumes et je vais t'en donner. Ma grande! Ah, d'accord, ma belle!